Pour le président chilien Gabriel Boric, c'est la plus grande tragédie qu'ait connue son pays depuis le tremblement de terre de 2010. Selon les derniers bilans, les incendies ont fait au moins 122 morts dans la région de Valparaiso. 190 personnes sont portées disparues et le Chili observe un deuil national de 2 jours. De repente se empezó a venir el viento y los pinos encendidos, incandescentes acá. Y el viento empezó a quemar los cerros de al frente primero, de allá. Y después se empezó a quemar el lado posterior nuestro, de acá abajo. Mis familiares también están fallecidos, calcinados con niños chicos. Entonces, no puedo tampoco ir a darle pésame, ¿no? Au nord de Santiago, le feu a ravagé des collines entières dans la région de Viña del Mar. Des milliers de familles ont vu leurs maisons partir en fumée. Les pompiers tentent de maîtriser plus de 165 feux qui sont toujours actifs dans 10 régions du Chili, notamment à Valparaiso, en bord de mer.